Mike, il n'y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Elle l'a probablement emmené dans la mine. Stop. Ne bouge plus. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après je nous sors tous de cet enfer. Waouh. Faut qu'on trouve un moyen d'aller là où il s'est enfoiré. Je me demande si ces sessions vous sont d'une quelconque utilité. Vous n'écoutez pas et la situation est si... Je dois vous quitter maintenant, Josh. Il est grand temps pour vous de comprendre qu'il existe de plus grands dangers en dehors de l'imagination morbide et déséquilibrée d'un gamin complaisant et vicieux. Tant de gens vous aimaient et tenaient à vous, étaient prêts à vous aider. Mais vous les avez tous repoussés successivement. Et maintenant, vous voilà seul. Mais vu la tournure des choses, ça ne devrait pas durer. Vous ne serez pas seul longtemps. Respirez, Joshua. Respirez. Laissez-moi tranquille! Non! Vous êtes morte! Désolé. Vous êtes morte! Non! Ferme-la! Non! Vous êtes morte! C'est pas vrai! Tu nous as manipulés. Ils vont adorer! Ils vont adorer quand ce sera passé! J'en reçois des ordres de personne. Vous pouvez pas me donner d'ordre. Vous pouvez plus me donner d'ordre maintenant. Josh, ma soeur. Ok. Ok. Oui. Nous n'avons plus de temps. Je vous crois. Je vous crois. Josh. Non, 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 non. Vous n'êtes pas rien. On était toutes seules ici. Non, non, non. Non, toute seule. Mais t'es là maintenant. Avec ta famille. Allez-vous-en ! Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi ! Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh ? Pourquoi tu voulais qu'on meure ? Je voulais pas que vous mouriez. Je le jure. C'est vraiment ça que tu veux ? Pourquoi vous faites ça ? Laissez-moi tranquille !
Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh? Pourquoi tu voulais qu'on meure? Quelqu'un qui capturait les Wendigo, puis les attachait avec des chaînes. J'ai vu des trucs vraiment tordus. Waouh. Ils se sont sûrement échappés quand tout a pété. Bien joué. C'est bon, viens. T'es sûr? Je suis encore vivant. Ouais, tes dernières paroles. Oh, putain de merde. Je sens plus mes doigts. Mike,
Josh ! Eh, vieux. Non, me frappe pas. Me frappe pas, pitié. T'étais parti loin, mec. T'étais complètement dingue. On ne pensait pas te ramener. Ok, allez, on se casse d'ici. Ok. Josh, est-ce que t'as la clé du téléphérique ? Ouais. Tiens. Oh, tant mieux. Tu vois ça, là-bas ? Ça veut dire qu'il y a une sortie directe. Allez. Y'a pas moyen que Josh arrive là-haut. Ok, si vous m'aidez, je peux rentrer pour dire aux autres qu'on va bien. Ouais. Ouais, d'accord. Tu ramènes Josh par là où on est passé et on se retrouve au chalet. Fais attention. Ouais, toi aussi. Allez, on y va, espèce de malade. Obligé de frapper si fort. Ah, ouais. Je suis désolé pour ça, mec. Je croyais que t'avais tué Jess. J'avais tort. Tu n'existes pas!
Putain, c'était quoi ce truc? Par où? Merde. Ok. Bon sang. Ok. Purée.
Allez, ouvrez-moi! Les gars, merde, vous êtes là! Laissez-moi entrer! Sam! Merde, Mike! Oh, putain! T'as une sale gueule! Ce sera bien pire si on traîne dans le coin. Allez! À ton avis, quelles sont nos chances de survie? J'essaie de pas trop y penser. Vas-y, cours! Cassez-vous, allez, 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 allez! Voilà, vous dégagez! Cours! Ah!
détruit, terminé. Attendez, je vois quelque chose. On dirait qu'ils ne sont pas tous morts. Ok, on descend. Je sais pas comment le décrire. Au début, vous pensiez qu'il vous traquait. Quelqu'un d'autre du groupe avait eu cette impression ? Oui. Est-ce qu'il serait possible qu'il l'ait tué ? Quoi ? Non ! Non, vous comprenez pas, vous comprenez pas ! Mais s'il vous a attaqué ? Il m'a sauvé la vie. Et je l'ai vu mourir. J'étais là, sur place, et j'aurais pu faire quelque chose. J'ai essayé de faire quelque chose. J'étais faible. J'ai cru qu'on était proches. Après que ses sœurs aient disparu, il est venu me parler. Il a dit que j'étais la seule personne à le comprendre. Et j'ai cru. J'ai cru qu'on était proches. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un... Je vais bien. Vous savez, parfois, suite à un profond traumatisme... Je vous dis que je vais bien. Où est M ? Vous l'avez retrouvée ? Oui, en effet. Quoi ? Où ? Où est-ce qu'elle est ? Monsieur... Il faut que je lui parle. Elle était à l'intérieur. Quoi ? Comment ça ? Ça veut dire quoi ? Elle était à l'intérieur ? L'incendie. On a retrouvé son corps. Non, non, non. Non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Merde. Putain, merde. C'est ma faute si Mike est mort. Je devais rester immobile. Mais j'ai bougé. Et il m'a sauvée. Donc c'est ma faute s'il est mort. Écoutez-moi bien. Je m'en fous que vous me croyez ou pas, parce que vous finirez par le croire. Vous devez descendre dans les mines. Pour y chercher quoi, Sam ? J'ai vu ce qu'il y a dans ces mines. Et je donnerais n'importe quoi pour oublier ça.